Cela fait plus de 15 ans que je suis établie au Tibet et que je travaille avec les locaux pour qu'ils se développent tout en conservant leur identité et leur héritage culturel. Avant de créer Global Nomad en 2008, j'ai travaillé sur plusieurs projets de développement social et j'ai étudié le bouddhisme tibétain dans un monastère himalayen et à Lhasa. Avec une équipe, on a eu l'initiative de protéger la faune, la flore et l'eau, et de nettoyer l'Everest, le tout intégré à l'éducation locale. Protéger l'environnement de la montagne est tout aussi important, car nous croyons que l'Everest et les autres montagnes du Tibet sont des monuments sacrés. Il est essentiel que les alpinistes étrangers comprennent et respectent nos traditions avant de grimper l'Everest. Au Tibet, les croyances locales sont très connectées aux valeurs environnementales. Dans l'histoire du Tibet, chaque montagne était une déesse ordinaire qui a été domptée par les saints afin de protéger son peuple. Aujourd'hui, les alpinistes reçoivent aussi la protection des déesses de la montagne. As you may know, trash has become a huge problem on Mount Everest, of all places. There's something about summiting, apparently, the rarefied air, the sense of accomplishment, the superiority, something about it makes climbers think they don't have to clean up after themselves. En 2016, on a fait une intervention dans la zone nord-est de l'Everest. Voici les trois axes majeurs. Le premier est l'éducation. On a formé 50 guides tibétains sur la gestion de déchets. Le deuxième est de mettre en place des infrastructures. On a créé 8 zones de recyclage le long de l'Everest. Et le troisième est la révision et le contrôle. On a assuré l'évacuation des déchets collectés et triés aux usines de recyclage à Lhasa. Notre objectif était de ramener 500 kg de déchets et nous avons doublé notre collecte à une tonne de déchets. Les déchets collectés sont recyclés et transformés en œuvres d'art. Plus de 30 artistes ont rejoint le projet pour créer des installations artistiques qui seront présentées à la galerie d'art expérimentale Nitra. Sans le soutien de nos sponsors, cela n'aurait pas pu être possible. Nous sommes très reconnaissants de leur générosité. Mission accomplie pour 2016. On a ramené 20% de déchets abandonnés depuis 30 ans. Il faut continuer de ramasser le reste des vieux déchets. Clean Everest 2016 est plus qu'une intervention ponctuelle. C'est un modèle de gestion de déchets pour le futur, afin de mettre en application notre charte environnementale.